Bonsoir, monsieur Diallo. Bonsoir, je peux comment je dois vous appeler? Pasteur Ouattara Daouda, Pasteur Ouattara Daouda ou bien mon frère Ouattara Daouda? D'accord, vous m'appelez de Korogo, c'est ça? Je suis à Korogo. D'accord, vous êtes à Korogo. Donc on va essayer de tout récapituler. Voilà, pour que voilà, moi-même je sois situé et puis pour que vous aussi, votre témoignage puisse servir à plusieurs personnes. Donc, vous êtes Ouattara Daouda, vous êtes à Korogo. Je suis à Korogo. Mais tu m'appelais ce matin, tu m'as dit que tu étais au Mali. C'était pour apprendre le Coran, c'était pour faire quoi? Non, là-bas, j'ai été élevé par mon oncle dans un village. Je ne sais pas si vous connaissez Kadolo comme ça. D'accord? Vous avez entendu parler de Kadolo quand même, à la Bassine Kadiolo, là. oui. Oui. Voilà, il y a un petit village à côté qui s'appelait Diou. C'est là où j'ai été élevé. Là-bas, il y a la D'accord. mission catholique. À la mission catholique, oui. C'est ça. D'accord. Donc vous étiez d'abord musulman, après devenir Non. chrétien ou bien comment ça s'est passé? J'ai commencé par le christianisme. D'accord. D'accord. Et vous étiez catholique, c'est ça? C'est ça. Attends, J'étais j'entends catholique. ça où? Oui, d'accord. Maintenant, aujourd'hui, vous n'êtes plus chrétien ou bien, je ne sais pas. D'abord, comment vous avez eu mon numéro? Ah, votre numéro, je vous ai dit que j'ai suivi vos contacts là depuis dans TikTok là. Oui, effectivement. Ça fait un peu longtemps. D'accord. Là, je cherchais à voir au moins beaucoup de situations avant de comprendre quelque chose. Donc aujourd'hui, vous ne partez plus à l'église ou bien vous continuez d'aller à l'église? Ça me fait un an, je ne vais pas là-bas. Mais est-ce que tu avais été consacré prêtre ou pasteur? Non, ben, j'étais pasteur. Hein? J'étais pasteur au Mali. Ah, tu étais pasteur au Mali. Très bien. Maintenant, actuellement, tu Je es basé à prétends Korogo. Voilà, je prétends faire la messe dans tous les petits villages qui étaient en entourant. L'entourement. Tu allais faire la messe là-bas, quoi? Je prétends faire la messe dans tous les villages. Même ma première femme, c'est moi, j'étais par là qu'on s'est croisés. Ok. D'accord. Donc aujourd'hui, ce matin, tu m'as appelé, tu m'as dit que tu as des, je peux dire, un témoignage ou encore des choses importantes à me dire. Donc je suis là maintenant, je vous écoute alors, mon frère. Tout ce que je peux vous dire, j'ai toujours écouté vos messages, votre conversation avec notre frère là. D'accord? Ces conversations-là, moi-même, j'ai trouvé que vraiment c'était ça. Au préalable, je devais me convertir en islam, mais c'est à cause de. Je sais même que je dois me convertir, mais j'ai vu qu'ils étaient entre musulmans et musulmans. Bon, je me suis dit, au clair que vraiment, peut-être les musulmans ne se sont pas compris. J'ai pas compris la partie là, tu dis avec quoi? Oui. Je dois me convertir il y a un peu longtemps. Parce que quand j'écoutais les discours de Cheikh Madame Ousmane Aïdara, je disais que vraiment l'islam c'était comme ça. Mais je me suis dit qu'entre eux, ça n'allait pas. Donc vraiment, je trouve que vraiment, peut-être que c'est pas ça. Mais quand j'ai suivi vos contacts et puis je vous ai vu parler, je vous ai vu. Moi, je n'ai pas vu un de mes frères qui a pu vous dire quelque chose de bon. C'est la grâce d'Allah. Ce matin même, vraiment, j'ai écouté d'autres encore, vraiment, moi-même, vraiment, j'ai coulé les larmes. Parce qu'il y a une femme qui s'est convertie là. Vous étiez en veste blanc là. Oui. J'ai oublié le nom de la femme, sinon j'allais vous répéter ça. Oui, il n'y a pas de problème. Il y en a tellement que je ne me rappelle même pas trop, mais ce n'est pas grave. Allons-y. Voilà. Donc moi je me suis dit que vraiment j'ai trouvé la religion qui me suffit. Parce que moi-même je protège, mais ce n'est pas à la religion musulmane. Je protège comme Jésus le faisait. Mais je ne me suis jamais converti à l'islam depuis que je suis né. Oui. Mais c'est aujourd'hui que j'ai tenté de voir ce qui se passe et puis directement
Et puis aussi, pour ne pas trop paniquer là, je suis déjà prêt même à me convertir en même temps. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais mon âge a avancé. Oui. J'ai aujourd'hui jusqu'à 64 ans, si possible. Ah, vraiment, tu as encore le temps de te... Bon, disons, Allah t'a donné cette chance-là de te convertir ou encore de découvrir la vérité avant ta mort. Parce que Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver, frappez, l'on ouvrira. Ah, d'accord. Donc, à l'heure où je vous parle, vous êtes considéré comme un pasteur ou bien prêtre. À l'heure où on se parle là, tout prêtre, pasteur là, je n'ai même pas besoin de discuter, mais j'étais pasteur. Je suis passé, je n'ai jamais été prêt. Ok. Mais d'accord. À l'heure là, je veux plus ce nom. Allahu Akbar. Vraiment. Si nos vidéos ont participé ou encore ont joué un rôle dans ta prise de décision, c'est Allah qui décide. Moi, je ne suis pas... Nous sommes là, notre devoir, c'est de propager le message seulement. Mais c'est Allah lui maintenant qui peut faire pénétrer, ou bien qui fait pénétrer ce message-là dans le cœur de qui il veut, qu'il soit pasteur ou prêtre ou je ne sais pas quoi. Donc voilà un peu. Parce que ce matin, vous m'avez appelé, je vous avais dit que non, arrivé au bureau, j'allais écouter d'abord votre témoignage, j'allais écouter d'abord votre inquiétude ou encore vos préoccupations et puis vos questions également. Je rappelle que je vous avais promis qu'on a une base de DDR à Korogo. Effectivement. Mmh. Et nous allons venir très bientôt, Inch'Allah, dans une tournée vers Korogo. Mais je vais vous mettre en contact avec le président de la DDR Korogo. Il s'appelle Diallo. Il est enseignant coranique. En même temps, il est vraiment théologien également. Il est docteur dans sa spécialité. Il est le président de la DDR Korogo. Je vais vous mettre en contact avec lui. Maintenant, vous, de votre position actuelle, ça fait combien de temps vous ne partez plus à l'église? Ça fait un an, à peu près 6 mois. Maintenant, il y a une chose qui m'intéresse. Maintenant, qu'est-ce qui vous a découragé? D'abord, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que vous avez vu des musulmans, il y a des querelles entre eux. Oui, c'est vrai. Il peut y avoir des échanges ou bien encore, voilà. Tu as dit qu'eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Non, ils ne se disputent pas sur la divinité. Ils ne se disputent pas sur la prophétie des prophètes sur Salam. Ils ne se disputent pas sur les 5 piliers de l'islam. Non. Peut-être que c'est des querelles internes, c'est-à-dire entre eux-mêmes. Peut-être c'est à cause de... Voilà. Donc, mais ça doit pas te décourager. Dieu merci que tu as regardé nos vidéos et tu vois que nous sommes là aujourd'hui pour défendre l'islam. Moi, mon objectif là, c'est de défendre l'islam. C'est pourquoi il est très rare de me voir en train de débattre avec un musulman parce que je ne vois pas d'utilité pour moi. Hein. Aller m'asseoir face à un frère musulman, quel que soit son bord, pour faire débat avec lui. Moi, je me dis, mais si je fais débat avec mon frère musulman, ça apporte quoi à celui qui n'est pas musulman? Est-ce que ça peut l'amener à l'islam? Excusez-moi. Donc, est-ce que ça peut... Donc, ça ne peut pas l'amener à l'islam. Donc, ce qui fait que moi, je suis là pour défendre l'islam, pour amener les non-musulmans à devenir musulmans. Donc, beaucoup de non-musulmans... Beaucoup de musulmans m'ont appelé. Hein. Ah, Oustaz, oui, vous avez dit ça. Nous, on est prêts à débattre avec vous. On veut venir chez vous au bureau. Il a dit, moi, je ne débat pas avec un musulman. Parce que débattre avec un musulman, pour moi, c'est une perte de temps. Pourquoi? Ma cible, c'est les non-musulmans. Moi, ma cible, c'est d'amener le non-musulman à devenir musulman. Notre querelle de personnes, on va régler ça à la maison, mais il faut que les non-musulmans deviennent musulmans, c'est ça la dawa. Donc, toi, aujourd'hui, tu as regardé nos vidéos, et alhamdoulilah, maintenant, qu'est-ce que tu as vu de vrai dans ce que nous on dit aussi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dit, d'autres disent non, c'est pas vrai, d'autres disent c'est vrai, mais qu'est-ce que toi, tu trouves de concret dans ce que nous on dit qui te motive ou encore qui t'encourage à vouloir te convertir en islam? Exactement, c'est parce que si je vois quelqu'un qui se permet de dire, bon, nous on avait l'habitude de le dire, mais je ne sais pas si Dieu nous pardonne, on avait l'habitude de dire que bon, actuellement dans les dialogues là, je suis dit, exactement, c'est pas ça. Donc, discute jusqu'à moi-même, je suis tranquille. Oui. Je vois la vérité et ils ne veulent pas entrer là. Ils prennent les longues discussions pour poser une question au lieu de répondre à la question juste. Ils sont en train de tourner, mais c'est pour ne pas dire la vérité maintenant. Effectivement. Parce qu'il y a des choses, il y a des non-dits, ils cachent des choses. Voilà, il y a des choses qui sont cachées. Voilà. Moi, j'en ai caché d'autres. Ah. Moi-même, j'ai caché d'autres. Ah bon? Ah, d'accord. Je vous dis la vérité, toute la vérité avant d'être musulman. Oui. Allons-y. Dès que je serai converti, je pense dès que vraiment
Si Dieu me pardonnera, gloire pour ce que j'ai dit. Non, ça c'est... Allah dit dans le Coran, ceux qui se repentent, venir vers Allah de façon sincère, non seulement il te pardonne tous tes péchés, et il prend tous tes péchés passés, il est converti, et puis il te donne ça en bénédiction. Sourate 25, verset 68 à 70. Je donne la référence à l'appui. C'est Allah qui a dit ça. Non seulement si tu te repens, tu es venu sincèrement, tu t'es repenti, tes péchés là, il transforme ça pour en faire bénédiction, pour te donner encore. Donc, faut tout dire avant ta conversion. On t'écoute. Voilà, qu'est-ce qui t'a découragé un peu pour quitter, pour pouvoir vouloir devenir musulman en fait? Bon, pour être musulman, bon, moi je me suis dit que vraiment, tout ce qui se passe actuellement là, je vois que vraiment, c'est pas ça parce que nous-mêmes, on nous faisait manger, on nous faisait faire tout, il y avait de l'argent qui nous versait. Bon, moi j'ai trouvé que vraiment, effectivement, d'autres sont là, ils n'ont même pas à manger, mais l'argent là, ils investissent. Pas loin d'aujourd'hui, la semaine surpassée, où je suis là, il y a une femme, que, une vieille chrétienne qui était là. Ça fait à peu près 4 ans, elle ne va même pas à l'église, mais toujours elle envoie de l'argent. Mais quand elle est décédée là, ils sont venus dire qu'il y a un crédit sur la femme. Mais obligé ce crédit là, la femme a fait une semaine à la mort. Elle doit que elle doit payer le crédit. Oui, oui, t'as été. Ouais. Tout cela m'a découragé. Allah. Oh, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ce que Jésus a dit. Non, chez nous, ce n'était pas gratuit, vraiment. Ah, tu as dit. On fait manger le pasteur. Le pasteur mangeait bien. Allah. Si lui mange bien, les fidèles là, vraiment, ça va être compliqué. Mais quand tu étais allé au Mali là, tu partais au Mali, l'objectif c'était quoi? Parce que tu dis que tu partais dans les petits villages du Mali là, c'était pour faire quoi? C'était pour aller faire la messe. Ah, la messe, ok. Dans les contrées. Je partais aller faire la messe et puis je me retournais. Oui, mais est-ce que en ce moment, tu arrivais à amener beaucoup de personnes à quitter l'islam, à devenir chrétien, ou bien les gens venaient volontairement? Au christianisme ou bien? Oui, dans le christianisme, parce que tu étais encore dans l'église là. Donc quand tu partais faire la tournée que tu fais dans les petits villages là, oui, tu partais certes pour faire des choses, mais est-ce que le but n'était pas pour que aussi les gens deviennent chrétiens ou bien c'était pas ton objectif? Mon objectif était d'aller faire la messe, mais mon objectif était que l'église soit bien pleine même. À ce moment-là. Ok. Ah, ok. Mais tu avais quoi? Voiture? Tu avais voiture, moto ou bien comment tu faisais? Et puis qui payait ton déplacement, tout ça là? Alors, le père, qui payait ça. J'avais un père. Hein? Faut pas dire son nom, faut pas dire son nom. Faut pas dire son nom, faut pas dire son nom. Il m'avait donné une voiture. Ok. J'avais une baby bourse. Oui. Avec ça, je partais. Ok. Ah, d'accord. Mais c'est que vraiment, quand on va se rencontrer, Inch'Allah, tu auras beaucoup, beaucoup de témoignages à faire. Mais bon, pour convertir quelqu'un en islam, on ne doit pas retarder, ce n'est pas obligatoire également. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde que le frère m'a contacté depuis le matin. Il a voulu échanger, mais moi, j'étais dans un endroit, j'étais coincé. Donc, je lui ai dit que, arrivé au bureau, je vais l'appeler. Pendant que je suis en train de préparer l'émission, en même temps, lui me vient de me rappeler pour dire, mais tu avais dit que tu allais m'appeler depuis 14h, et puis je suis encore là. Donc, j'ai lancé automatiquement avec lui. Donc, aujourd'hui, où tu es, tu dis que tu t'appelles Zana, c'est ça? Ou bien, il a oublié? Ouattara Daouda. Ok, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci beaucoup à toi. Dès que on finit ta conversion, Inch'Allah, je vais appeler le président de la DDR du côté de Korogo. Il va t'appeler dans les minutes qui suivent. Ils vont te confier, certes, à la mosquée qui est à côté. Ils vont t'apprendre à prier. Ils vont te mettre aussi dans la liste des convertis, n'est-ce pas, de la base de données de Korogo, Inch'Allah. Mon frère, pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Mais attends, est-ce que ta femme, tes enfants, ils sont tous chrétiens? J'ai deux femmes. Bon, j'ai une femme même qui habite à côté de vous, Tengrela. Ok. Vous êtes de bon. Oui, je suis de bon, effectivement. On m'a dit ça. Oui. Sinon, j'ai une femme qui était l'enfant de la première mosquée Sunakira, Tengrela. La première mosquée. Son enfant.
Ouais. J'ai sa fille en mariage. Mais est-ce que sa fille est chrétienne ou elle est musulmane? Sa fille là, elle est chrétienne ou elle est musulmane? Sa fille là, maman, viens prendre le téléphone là. Ah, c'est quoi ça là? Non, je veux dire, ta femme là, actuelle là, elle est musulmane ou elle est chrétienne? Et la seconde femme, elle aussi, elle est quoi? Musulmane. Ah, c'est toi qui étais chrétien. C'est moi seul. Mais et les enfants? Moi-même, les premiers enfants, je les ai tous envoyés à l'école coranique. Allahu Akbar. Franco-arabe. Attends, Il y a deux seulement qui sont partis à l'école, les autres sont partis au franco-arabe. Ah, d'accord. Mais pendant tout ce temps, toi tu étais pasteur, mais tes enfants vont. Comment se fait-il? Mais comment on fait encore? Moi-même, j'ai choisi la chose qui manque à aller là-bas. Parce que vraiment, ce que je vois dans l'avenir, là, je ne pense pas si je pourrais terminer pour moi. Ah, Je veux continuer d'accord. dans l'islam. Ah, d'accord, je comprends maintenant. Ça dit que toi, Voilà. tu savais déjà le but où tu. Où tu je comprends maintenant. Donc, tu les as mis à l'école coranique, à l'islam, en attendant même. Parce que toi, où tu partais, tu savais que ça n'allait pas terminer. Ah, C'est ça. d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème, mon frère. On va faire ta conversion, Inch'Allah. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Il y a une autre soeur que je vais appeler tout à l'heure qui veut se convertir. Il y a deux autres personnes qui veulent se convertir après toi. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais. Comme toute la famille est musulmane, c'est toi seul qui étais parti, donc tu es le bienvenu à la maison. S'il y avait d'autres personnes qui étaient chrétiens encore, c'est pour ça que je demandais, on allait faire tout ensemble en même temps, mais ce n'est pas grave. Il faut lever ton index droit. D'accord. Voilà, il faut lever l'index Oui, droit là où je tu le es. ferai. Allahu Akbar. Donc, il faut répéter après moi, avec ceux qui nous suivent à travers le monde, nous allons tous répéter avec lui. Il faut dire, Ashhadu. D'accord. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha Illallahu illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je le connais dans mon Il n'y cœur. a point de divinité digne d'être adorée. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, mon frère, il faut descendre la main. Tu es devenu musulman à l'instant. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, vraiment, vraiment, tu as bien fait de venir au moment avant ta mort. C'est-à-dire que le fait de revenir ou encore de venir en islam avant ta mort, c'est ce qui est le plus bien, le plus mieux. Parce qu'Allah dit dans le Coran, sourate Al-Hijr, sourate 15, verset 2, au jour de la résurrection, ceux qui ont mécru, ils vont regretter si on savait on allait devenir musulman. Tu as bien fait de devenir. Allô, salam alaykoum Diallo. Je suis en direct actuellement. Avec, attends, ne quitte pas. Hein. Voilà, il y a un frère qui s'est converti à Korogo. Il est en station rapidement. Et puis, on va échanger avec lui. Et puis, je vais te donner son numéro. Tu vas l'appeler tout à l'heure pour pouvoir l'ajouter, Inch'Allah. Allô? Voilà. Le frère, tu t'appelles comment? Rappelle-moi ton nom. Oui. Ok, bien noté. Maintenant, est-ce que vous pouvez donner votre contact? Non, on est en direct. Il ne va pas donner ça en direct. Moi, je vais t'envoyer ça, Diallo. Je vais t'envoyer ça par inbox tout à l'heure, bien par message. Pas de soucis. Voilà. Donc, dès que j'envoie à Diallo, mon frère Ouattara, il va t'appeler tout à l'heure. Et puis, D'accord. voilà, il a un moyen de déplacement. Il va te rencontrer, Inch'Allah, parce qu'on est en train de se préparer à venir à Korogo là-bas. Quand on va venir, Inch'Allah, à la place publique où on va prêcher là, tu viendras pour qu'on te présente au public également. Il y a beaucoup de témoignages que tu vas faire. Et puis tes bibles que tu prenais pour prêcher là, faut pas jeter. Non, on a besoin de ça. Voilà. Peut-être souvent vous avez les anciennes bibles qu'on ne trouve pas, qui sont rares là. Donc faut les garder. On a besoin de ça. Effectivement. Mon frère Ouattara, tu es là? Allô?
Attends, je vais voir s'il est là. OK. Non, il était parti. Attends, je le rappelle parce que c'est moi, c'est lui qui m'avait appelé. Voilà. Ah, ouais. Ah, Dieu merci alors, parce que lui, voilà, depuis le matin, il a essayé de me... Allô, tu es là? Attends, haut-parleur. Allô? Voilà, tu es là. Attends, ne quitte pas. Je suis là. C'est Voilà. le réseau de contact. Voilà. Donc, Diallo, j'ai ton numéro ici. Je vais donner ça à Diallo. D'accord. Il va t'appeler tout à l'heure. Et puis, je disais que quand on va venir à Korogo, on va te rencontrer à la place publique, au jardin où on va prêcher là. On va te Il n'y a pas de présenter. Tu problème. vas faire des témoignages. Maintenant, les anciennes Bibles que tu avais là, faut pas les Oui. jeter. Hein. Nous, on a besoin de ça pour continuer la mission. Parce que vous avez souvent des Bibles qu'on ne trouve pas là. Ah. Voilà. Donc, D'accord. voilà, les Bibles et les documents que tu avais là, il faut les garder. Nous, on a besoin de ça. D'accord. Inch'Allah. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais donner ton numéro à Diallo tout à l'heure. Il va t'appeler, il va te raconter, Inch'Allah. C'est le président de la DDR Korogo. Et pendant qu'on est en direct, Diallo, je suis en direct sur toutes les pages. Il faut donner ton numéro de la DDR Korogo. Les gens vont entendre, s'il te plaît. Ok, pas de soucis. Je commence par le numéro orange d'abord. Oui, il faut aller doucement. Hein. Allons-y. 6, 7, onze, Oui. 08, Oui. 70, Oui. 13. Il faut reprendre. De 07, 07. 11, 11. 08, 08. 70, 70. 16, 16. C'est le numéro du président de la DDR Korogo. Le deuxième numéro. 01, numéro Move, 01. 40, 40. 83, 83. 05, 05 93. 93. Donc, c'est le président de la DDR Korogo. Et d'ailleurs, il m'avait dit avant-hier qu'ils ont besoin d'un local, un bureau. Même si c'est 2 mètres carrés que quelqu'un a à Korogo qui peut nous donner, fils Abili, là, on n'a pas les moyens pour payer bureau, là, s'il vous plaît. Même si vous nous donnez l'espace là, nous, on va même ces maisons en fer, on va trouver débrouillé pour mettre dessus pour que ça soit le bureau de la DDR Korogo parce qu'ils avaient un bureau. Mais le bureau devait être payé 20 000 francs par mois. On n'a pas pu payer. Mais la personne est venue récupérer son bureau, ce qui est normal. Maintenant, aujourd'hui, ils ont encore besoin d'un local. S'il vous plaît, ceux qui sont à Korogo, vous avez le numéro. Il y a des grandes personnalités à Korogo. Il y a beaucoup d'admirateurs de la DDA à Korogo. Quelqu'un peut dire, bon, moi j'ai un petit magasin ici, je n'utilise pas. Mais vous pouvez rénover vous-même. Là, nous, on va partir là. On va renommer, on met devant bureau DDR, on met les numéros. Là, les convertis, comme le frère qui vient de se convertir, il va là-bas de temps en temps pour apprendre l'islam. Les kits convertis, on les ramène là-bas. Et puis voilà quoi. Donc, les gars, vous avez pris le numéro. Ceux qui peuvent nous soutenir. Diallo, il faut donner le numéro une dernière fois. 07, numéro orange. 07. 11. 11. 08. 08. 70. 70. 16. 16. Le numéro move maintenant, Le 01. move c'est 01 40. 40 83. 83 05. 05 93. 93. Inch'Allah, je suis sûr par la grâce d'Allah que quelqu'un de bonne volonté ou des personnes de bonne volonté vont t'appeler pour la cause d'Allah. D'accord, Diallo, tout à l'heure, je t'envoie le numéro du frère. Pas de soucis, merci. Merci beaucoup. Le frère Ouattara, tu es là? Je suis là, oui. Est-ce que tu as enregistré son numéro? Tu peux l'appeler ou bien de lui donner directement ton numéro? Si vous voulez, je peux l'appeler 07 11 08 70 16. Voilà, c'est ça, il faut l'appeler tout de suite. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. On s'appelle plus tard. Ok, merci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam, ala Rasulillah. C'est ça, l'islam. C'est ça, la DDR. Et ça, c'est notre mission quotidienne de tous les jours. Notre objectif, c'est d'amener le maximum de personnes à l'islam par la sagesse et la bonne exhortation. Là où je m'en vais, là, on dit c'est une sœur, elle veut se convertir à l'islam, ou bien je dois l'encourager à devenir musulmane, mais elle vient de Kuto. Kuto, c'est à 5 km de mon village, donc c'est ma sœur. Ah, donc ma sœur veut devenir chrétienne, ou bien elle est devenue chrétienne. Bon, on va voir ce que ça donne. Voilà. L'autre m'a donné son numéro, je vais l'appeler tout à l'heure. Ah! Elle va m'expliquer. Elle s'appelle Kone Kajuma Vanessa. D'accord? On s'en va là-bas comme ça, les gars. 37 ans. Et puis, voilà, c'est parti.
Alhamdulillah. Merci beaucoup. Hein. C'est que, voilà, c'est le numéro de Diallo qui est là. Aziz Diallo. Ah, ok, merci. Voilà, ceux qui ont mis le numéro, merci beaucoup. Ceux aussi qui peuvent l'appeler. Il a dit même si c'est 2 mètres carrés. Allô, ma soeur Kone. Oui. Kone Kojuma Vanessa. Oui, ça va. Ça va bien. Attends. On dit tu viens de Kuto. Oui. Attends, Kuto qui est à côté de Gbon, entre chose là. C'est qui? Oui, c'est ça. Donc tu es ma soeur. Mais c'est qui? Je m'appelle Oussas Diané. Je viens de la part de Kassoum. Oui, Kassoum ça. Kassim avec qui tu as échangé sur TikTok là. Je crois qu'il est au Maroc là. Parole. Tu le connais sous le nom de Kassoum. En fait, c'est sur ce nom-là que tu le connais. Il m'a dit que tu veux te convertir en islam et que voilà. Oui. Voilà, oui. Donc avertissement. Les gars, ils m'ont averti, hein. Oui. Ils m'ont averti, tapoté, pardonné. Ils m'ont averti derrière, il signal rouge, pardonné. Ils sont là signalé mon live. Ma soeur, ne quitte pas, pardon. Mettez good live, s'il vous plaît. C'est devenu rouge tout à l'heure, s'il vous plaît. On a 1300 personnes déjà. Ici, là, 250. Ici, là, près de 1000. Bon, c'est 200 personnes. Mettez good live, pardon. Ils ont mis ça rouge tout à l'heure. Si ça devient rouge deux fois, ça coupe en même temps. Allô, ma soeur Vanessa. Oui. Donc, je répète, hein, je m'appelle Oussas Diané. Je suis musulman prédicateur sur les réseaux sociaux. TikTok, Facebook, YouTube, etc. Donc, il m'a dit que vous échangez souvent et que tu désires te convertir en islam, mais apparemment, tu es chrétienne ou bien tu étais chrétienne. Je suis chrétienne. Ah, tu es chrétienne évangélique, non? Non, catholique. Catholique. Mais est-ce que tu es à Kuto actuellement? Non, non, je suis à Abidjan. Ah, tu es à Abidjan, mais tu viens de Kuto. Oui, oui. D'accord. Il m'a dit ça. Il a dit, mais c'est ma soeur. C'est ma soeur dans le sens où moi, je suis de bon. Alors, Gbon, Kuto, ça fait près de 5 km. Quand tu quittes à Kolia, tu vas à Gbon, de Gbon, tu vas à Kuto, Kuto, ainsi de suite, jusqu'à Tengrela. C'est pas ça? Mm-hmm. Et j'ai un représentant de DDR à Kuto, mais comme tu es à Abidjan. Maintenant, est-ce que ta conversion en islam, quelqu'un t'a obligé? Non, non, c'est moi-même que je veux le faire. Alhamdulillah. Mais la famille est musulmane? Une moitié. Ok. Mais tu as déjà été chrétienne, mais tu es venue à l'islam. Mm-hmm. Alhamdulillah, c'est une très bonne chose. Tu as habillé en quelle commune? Yopougon. Ah, mais ça tombe bien. Il me l'a dit, effectivement. Moi-même, je suis à Yopougon. Je suis en Dokwa. En Dokwa, c'est... Voilà. Toi, tu es à Yopougon, quel côté? Maroc. Ah, quartier Maroc. Daouda est là-bas, ça tombe bien. Daouda est là-bas. Il y a Carrefour Canary, il y a Carrefour Tikenja, il y a Oasis, il y a Guichen Roulin. Voilà, donc, voilà, tout ça, voilà, il y a Anador, tout ça là, donc, parce que j'étais chauffeur de taxi dans le temps. D'accord. Donc, ma soeur, non seulement si tu te convertis en islam, je vais t'offrir, Inch'Allah, au nom de la communauté musulmane, c'est pas moi, je paye, au nom de la communauté musulmane, on va t'offrir un tapis de prière, un document pour t'apprendre à prier. Je vais voir si j'ai un voile ici, voilà, on va essayer de voir s'il y en a, on va ajouter le voile pour te donner ça, on appelle ça fisabilillah, c'est-à-dire pour la cause d'Allah, on te donne ça cadeau. Et puis on t'ajoute également dans un groupe WhatsApp des convertis pour t'apprendre à prier. Ça te va? Oui. D'accord. Pour devenir musulmane, on ne paye pas d'argent. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Tu n'as pas 5 francs à payer à qui que ce soit. Si tu ne peux pas te déplacer pour venir chercher le colis, moi-même, je vais faire ça à Nyango pour t'envoyer. Je vais mettre dans Nyango. Tout de suite même, ils vont venir te livrer. Et à la livraison, tu ne payes pas 5 francs. Tout ça, c'est la communauté musulmane qui s'en charge parce que tu es une sœur qui veut venir à l'islam. Tu es la bienvenue. Au lieu, comme le pasteur qui vient de se convertir tout à l'heure, lui dit qu'il y a une maman qui n'avait presque rien à manger, mais on l'exigeait à payer quand même de l'argent dans le lieu de culte. Et quand elle est décédée, on est venu dire encore qu'elle doit encore de l'argent, malgré qu'elle n'avait rien à manger et tout ça. Moi, j'ai dit, mais attends, en islam, là, si on a les moyens, là, nous, on doit plutôt donner aux convertis. On doit plutôt... Il y a un tonton chaque année, pendant la période de Ramadan et Tabaski et autres, il nous donne un bœuf, deux bœufs, on tue ça et puis on partage aux convertis pour leur permettre de fêter encore dans leur famille. Si on avait les moyens, normalement, c'est à vous, on doit donner. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Donc, pour ne pas faire trop long, c'est ton numéro WhatsApp qui est là? Oui, c'est mon numéro WhatsApp. D'accord. Est-ce que tu comprends? Il me compte quand maintenant? Il me compte quand maintenant? Oui, je comprends ce niveau, je comprends Djula. Tu comprends ce niveau? Bon, moi, je ne comprends pas ce niveau. Moi, je parle le Djula de Kuto et le Djula de Gbon. Je parle Djula aussi. Non, il y a Djula, mais il y a une manière de parler le Djula de Kuto et de Kolia et de Kuto. Bon, moi, je comprends. Voilà, tu comprends. Bon, amène à Donifosokan en haut.
Ngo, eh, bora kotoria. Kotokare elia. Mondoni nire. Eh, ala, ema dunia e. Bon, c'est pas grave. Comme on est en direct là, les gens vont dire, voilà, ils sont rentrés en famille maintenant, ils vont commencer à... D'accord. Il faut lever ton index droit. Pour moi même là, c'est pas trop droit aussi. Parce que ceux qui sont au village, Youssouf et le maire et tout ça, ils vont se moquer de moi pour dire, pour moi, mais n'est pas trop propre. Mais c'est pas grave. Il faut lever ton index droit. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, bienvenue à elle. Hein. Levez l'index droit. Elle s'appelle Kone Kojuma Vanessa. Le Kojuma là, ça c'est le nom, c'est nouveau. Hein. Voilà, donc allons-y. Et tu vas répéter après moi ce que je vais dire en arabe et en français. Et tu deviendras musulmane à l'instant. Je vais commander le nyango tout à l'heure. Maman! Maman, viens ici, secrétaire! Voilà. Attends, ne quitte pas, hein, ma soeur. Il faut envoyer un tapis là. Il ne faut pas y oublier. Prends tapis rapidement, tu envoies. Il y a voile là-bas? Bon, il faut ajouter voile. Tu mets un truc. Il y a un bassin. Voilà, Dieu merci. L'âme yara. L'âme yara, hein, le dernier bassin de l'âme yara. Voilà, donc l'âme yara, si l'âme yara me suit là, on n'a plus de bassin. Donc ma soeur connaît. Excuse-moi, est-ce que je peux le faire avec des mèches sur la tête? Il n'y a aucun problème. Après ta conversion, pardon, à Kala Koson et Meshi Bouikouna, passé à Koka Bore Doni, quoi. Meshi Koni, passé. Voilà, il check ni Meshi Tikouna, ou bien. Donc il est Meshi bon, il est Langana Bri, à Meseka Dissa Sankadima, il est Slama Mousso et quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu as voile là-bas? Ah, Dieu merci, hein, je le vois. Bien, envoyez présenter ça. Après, tu pourras voir l'émission après. Hein. Je vais t'envoyer le lien. Tu vas regarder ça. Mais ça, c'est très beau, ça. Ça, c'est qui était où, ça? C'était là. Ah, mais ça, c'est... Ah, là, c'est très joli, ça. Donc, il y a un grand voile noir et puis un tapis de prière. On va t'offrir ça, Inch'Allah. Je disais que c'est le dernier bassin de l'âme Yara qui est là. Bon. On va ajouter le bassin là pour te donner, ma soeur, Inch'Allah. C'est ta chance. Et puis, voilà. Parce que personne n'est obligé de redevenir musulmane. De ton propre gré, tu as décidé de redevenir musulmane. Et voilà un peu. Donc, il faut répéter après moi. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, il y a des personnes dans le live ici qui veulent se convertir en islam. Vous pouvez faire en même temps qu'elles. Vous levez l'index droit. Ce que je vais dire, vous répétez la même chose. Vous serez musulmane en même temps qu'elles. Donc, on y voit, ma soeur Vanessa. Il faut répéter après moi. Il faut dire « Ashhadou ». Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Ilallahu. Ilallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Avec ma je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il y a point de divinité digne d'être adoré. Vous avez dit. Il y a point de divinité digne d'être adoré. Il y a point de divinité. Digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Tu es bienvenue, tu es la bienvenue, ma soeur, en islam. Descends l'index, tu es devenue musulmane. Allah t'a pardonné tes péchés. Tu n'as pas besoin de payer 5 francs, qui que ce soit, comme je te l'ai dit tantôt. Dans moins d'une heure, Inch'Allah, le Nyango viendra te livrer ce colis-là au nom de la communauté musulmane. Parce que pourquoi j'ai dit au nom de la communauté? Ce sont les... voilà, merci. Alhamdulillah. Ah, ça fait plaisir. Kala facilite, pardon. Pardon, Akala et Rekoso. Et Kala, c'est le col l'église là, Kotounio. Voilà, Alhamdulillah. Donc, elle va rester là. On va l'encadrer. Je vais ajouter ton numéro dans le WhatsApp des convertis tout à l'heure, ma soeur. Il n'y a pas de problème. Mais, d'accord, si le Nyango est venu te livrer, voilà, tu m'appelles pour me confirmer qu'il t'a livré. Il ne faut pas le payer, le transport, on va tout payer ici. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, ma soeur. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Et ça, qu'est-ce que ça donne ici? On va voir ce que ça donne ici. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam, ala rasulillahi wa ala alihi wa sabi ajmain. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Oussa Ziané, je suis à la partie technique ce soir pour, n'est-ce pas, faire la promo de ma religion, faire la propagation du message de l'islam. Et quand les gens se convertissent en islam, et ça, je vais repartir à zéro pour que nous puissions voir de quoi il s'agit, Inch'Allah.
Ça prend pas? D'accord, il y a une autre personne, hein. Il y a d'autres personnes à appeler pour leur conversion, hein, s'il vous plaît, ne quittez pas. Mais il faut que, est-ce que vous savez que, j'ai une exclusivité qui va passer sur YouTube tout à l'heure, mais si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas les avoir. Mais je vais vous, de quelle exclusivité il s'agit? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Il m'envoie un message parce que quand je joue le son là, ça fait mal à quelqu'un là. Vraiment, déjà, ça fait mal à quelqu'un. Attendez, vous allez voir. Vous allez voir la preuve. Ça, c'est une exclusivité. Ce n'est pas encore disponible. Voilà, la vidéo n'est pas encore disponible. Donc, mais en attendant qu'elle soit disponible, elle est où d'ailleurs? Voilà. Attends. Il y a tellement de... Attends, ça y est là, non? Voilà. J'ai fait ça hier, non? Hier, j'ai fait l'enregistrement. Voilà, c'est ici. Oui, tu es chrétien. Quoi, écoutez, hein, écoutez. C'est une exclusivité. Oui, tu dis, j'ai fait quoi? Non, j'ai dit souvent, bon, je pose des questions aux gens. Que, bon, vous dites que. Écoutez, hein. Jésus-Christ est Dieu. Et puis, pourquoi comment Jésus-Christ est Dieu? Il peut être Dieu. Voilà. Écoutez, hein. Voilà, maintenant, bon. Il va venir simplement que. Bon, je te demande pardon, quoi. Et te demande pardon? Voilà, parce que. Comme, en tout cas, bon, tu es musulman, vous priez, nous aussi on prie Jésus-Christ là. Je veux que tu laisses. Nous-mêmes, on va gérer ça. Parce que Dieu là, il ne veut pas que on le fasse comme ça. Voilà, quand on fait comme ça, c'est comme on attend de jouer avec lui. Voilà, c'est comme on attend de jouer avec lui. Donc, je vois que je veux que bon, on arrête de parler comme ça. Il n'a pas encore dit ce qui est dans son cœur, il n'a pas encore dit. Voilà. Il faut plus en dire ça, il faut plus en dire aux gens que Jésus n'est pas Dieu, quoi. Voilà, c'est pas. On a qu'à les laisser, ils vont adorer Jésus comme ça. Voilà. S'il si est Dieu, il n'est pas Dieu, on doit laisser. Ça y est, les gens ont commencé à comprendre qu'il n'est pas Dieu, mais vous voulez qu'on n'ait pas laissé les gens comme ça. Il est Dieu, il n'est pas Dieu, c'est pas grave, c'est ça, non? C'est ça. Et moi, je veux qu'on on arrête de poser des questions aux gens. Voilà, quand c'est comme ça. Mais est-ce que vous posez des questions à vos pasteurs pour savoir? Non, il y a une partie là. Attends, a... Est-ce que vous demandez à pasteur si Jésus est Dieu ou pas? Vous ne lui avez jamais attends, demandé. Attends. Il n'y a pas tout vous donner. Vous n'êtes pas abonné là. Vous n'allez pas avoir. Il n'y a pas tout vous donner. Attends, il y a une partie là. Mais il ne va pas te demander. Puisque j'ai. Il me demande. Là, il y a lui dit ça. Dieu dit carrément que. Entre la maman de Dieu. Très bien. Il va me demander 3 jours et 3 nuits là. Quoi? Il est qui? Dieu, puissance. Je te dis, c'est il a dit ça ouvertement, les gars. Là même, tu vas en faire tout droit. Il est beau. Ah. Trouvé. Il dit, on a versé 1. Ah. Tu n'es même pas sorti dans ta bouche que Jésus-Christ n'a pas dit. Ah, donc je dois mentir, quoi. Tu ne dois pas mentir, tu dois dire que Jésus-Christ est Dieu. Même si Jésus dit, lui, on l'a envoyé. Moi, il n'a qu'à dire, il est Dieu. Oh, il a dit, ça l'a fait mal. C'est la partie. Pourquoi, quand on dit aux gens, Jésus n'est pas Dieu, là, ça vous fait mal, là. Faut me dire, là, c'est pourquoi, pourquoi ça vous fait voilà, mal. Voilà, pourquoi voilà. Ça nous fait mal. Pourquoi faut me écoutez. Dire pourquoi. Ça nous fait mal, puisque tu dois pas dire ouvertement dans ta bouche que Jésus-Christ n'a pas dit. Si tu dis ça, écoutez, c'est bon, tu t'es condamné toi-même. Ah, il doit cacher pour dire aux gens, quoi. Pour, on ne cache pas. Mais moi, même pas sorti dans ta. Tu ne t'es pas sorti dans ta bouche que Jésus-Christ n'a pas dit. Ah, donc je dois mentir, quoi. Tu ne dois pas mentir, tu dois dire que Jésus-Christ est Dieu. Même si Jésus dit, lui, on l'a envoyé, moi, il n'a qu'à dire qu'il est Dieu. Voilà, il faut dire ça. Affaire à suivre, la suite. Non, on va pas quand même vous tout vous donner. Quand on vous dit d'aller vous abonner, là, vous n'êtes pas. Donc, on y va. C'est pas pour rien juste là-haut. Il y a trop de bombes dedans.
Astaghfirullah, pardon. Il y a trop de bonnes choses dedans. Il a dit, bon, il y a quelqu'un qui est jaloux. On passe au suivant. Merci beaucoup, Moufti. Le jour où je vais voir le Moufti, vraiment, il faut que je fasse une photo avec lui pour lui dire, c'est lui. Alhamdulillah. Où est mon document? Voilà, ça est là. Voilà, on passe au suivant. Après la soeur Koné, voilà, on s'en va, hein, les gars. Donc, quand je vous dis, allez-y vous abonner, abonnez-vous. Abonnez-vous à toutes nos pages, toutes nos différentes pages. Vous tapez la DDR, la vraie chaîne YouTube. Ça, c'est notre YouTube, le principal même YouTube de la DDR. Maintenant, il y a DDR officiel ou Stas Diané. YouTube ou Stas Diané officiel. Allez-y vous abonner également. TikTok, là, il y a Ibrahim, le laboratoire DDR. Allez-y vous abonner. Il y a des vidéos qui sont ici, qui ne sont pas là-bas. Il y a des vidéos ici, là, qui sont là-bas, qui ne sont pas ici. Donc, si vous êtes partout, Alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Et on s'en va là-bas comme ça. Et maintenant, il aime. On dit Serge. Non, attends, c'est pas Serge. Michel. Non, conversion ici. Martin veut se convertir en islam. Martin. Voilà. Michel, ça, c'est un petit poteau. Martin veut se convertir en islam. Voilà. 39. Hé, hey, voilà. Vous voyez, s'il n'est pas commandé le Nyango, tout de suite, c'est pas bon. Attends, je vais commander le Nyango. Là, ça, il va venir prendre le colis. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, qui nous soutiennent discrètement ou directement ou indirectement, qu'Allah vous récompense. Voilà, merci beaucoup. Allô? Allô? Bonjour Michel. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va Michel. Hein? C'est pas Michel? Oui, oui. C'est pas Martin? Oui, c'est moi. Ah, c'est moi, je me suis trompé. Il a dit Michel, c'est Martin, il veut parler. Martin, il y a un frère là, c'est un peu. Il m'a envoyé ton numéro, Martin. Il dit, tu veux te convertir en islam. Oui. Voilà, tu habites où ça? Je suis à Danois. Où ça? À Danois, mais présentement, je suis à Moutéze comme ça, à l'Ipé. Non, je veux savoir. Demain, je serai à Danois. Ah, tu es à Gagnoa? Oui, ça, d'accord, non, mais ce n'est pas un problème. Il y a la DDR Gagnoa, il y a Kone qui est là-bas, il y a les autres frères de la DDR Gagnoa sont là. On va t'ajouter, on va te les confier, Inch'Allah. Maintenant, tu es chrétien ou bien tu es quoi? Oui, je suis chrétien. Tu es chrétien quoi? Évangélique, catholique? Oui, pentecôte, oui. Hein, pentecôtiste? Oui. Essaye, il y a une fois converti pentecôtiste même. Et puis, ici, Togolais, donc il veut devenir musulman, c'est ça qui me plaît, donc là. Ah, tu es Togolais, tu es devenu musulman. Oui, il y a la DDR au Togo aussi. Mais tu vis en Côte d'Ivoire, non? Tu es Togolais, mais tu vis en Côte d'Ivoire. Oui, il vit en Côte d'Ivoire, il y a un peu de en Côte d'Ivoire. Les musulmans, là, ils sont gentils avec toi, non? Dieu même, le monsieur qui vous appelait là, c'est mon gars, mais c'est pas lui, même quand il va ta mari de faire là, lui-même, il me respecte, il me fait le cadeau, donc. Par contre, lui-même, je suis passé par lui. Pour lui dire, ah, il dit qu'il veut devenir musulman. Donc, on fait comment? Ok. Il va appeler. Voilà. Oui, effectivement, il m'a envoyé ton numéro. Je lui ai dit que je vais appeler Martin. Oui. Donc, tu t'appelles Martin. Il n'y a pas de problème. Partout où moi, il passe, c'est le musulman qui me cueille. Donc, quand il voit, moi-même, il dit, je fais comme lui. Alhamdulillah. Vraiment, qu'Allah facilite ça. Et tu seras le bienvenu en islam. Est-ce que tu as un numéro WhatsApp? Ton numéro là, c'est un numéro WhatsApp ou bien tu n'as pas WhatsApp? C'est WhatsApp. D'accord. Donc, dès que j'ai fini, je fais la passe. Imam Kone, Imam Traoré, pourquoi on vous ajoute? Moi, mon devoir, j'ai fait la da'awa, s'il y a des conversions par la grâce d'Allah. À partir de moi, j'ai fini les conversions. Moi, je donne maintenant à ceux qui s'en occupent pour qu'eux puissent les ajouter dans le groupe WhatsApp pour les apprendre à prier, Inch'Allah. D'accord, Martin, d'accord, mais... pour devenir musulman, ça fait combien de temps que tu étais chrétien? Depuis 35 ans. Et ça, là, vraiment, aujourd'hui seulement, tu as venu dans la vraie religion, par la grâce d'Allah, sans obligation. Il faut lever ton index droit, il faut lever ton doigt. Ton doigt, ta main droite là, le doigt là, ça montre qu'il y a un seul Dieu, il y a une seule divinité. Tu es prêt? C'est ça, ouais. D'accord. C'est que je vais dire, il faut répéter la même chose et puis tu seras musulman à l'instant. Il faut dire, Ashhadu. 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 An la ilaha. An la ilaha.
Il Allahu. Il Allahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Umaratu Adam. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wara suluhu. Wada hursul. Bon, faut dire wara. Wara. Suluhu. Suluhu. Voilà, ça veut dire le messager d'Allah. Maintenant, faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité à part Allah. Il n'y a point de divinité à part Allah. Il n'y a pas un autre Dieu à part Allah. Il n'y a pas un autre Dieu à part Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, mon frère Martin, tu es devenu musulman. Il faut descendre ta main. Tu es devenu musulman comme ça. Et qu'Allah nous pardonne tous nos péchés. Qu'Allah nous donne les mérites de nos actions dans la tombe. Et également, Inch'Allah, au jour du jugement. Que nous soyons parmi les gens qui entreront en triomphe au paradis. Et ceux qui nous ont accompagnés dans le live ici, les musulmans qui nous soutiennent tous les jours, ceux qui nous, n'est-ce pas, nous aident à partager, à nous soutenir, que peu importe que tout cela, on se retrouve, Inch'Allah, au paradis, parce qu'il y a des gens qui nous suivent en direct. Ils n'ont certes pas les moyens, ils n'ont pas de quoi faire, mais le fait que de faire droit pour nous, il y a des personnes qui m'appellent de jour comme de nuit, et ils me disent, tu ne me connais pas, je suis dans tel village, je ne fais que prier pour vous, je ne fais que faire droit pour vous. C'est ce qu'ils me disent. Moi, je dis ça, c'est plus que de l'or. Et Alhamdulillah, on a la santé, on a la joie. Oh, qu'Allah nous donne longue vie pour continuer la mission, Inch'Allah. Donc, mon frère Martin, tu es devenu musulman. Oui, d'accord. Donc, je vais donner ton numéro à la DDS section Gagnoa. Oui. Où est mon bic là? Et puis, ils vont t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis là-bas, Inch'Allah. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Martin Gagnoa. Oui, merci papa, merci beaucoup. D'accord. Ok, tu dis à le frère que tu es converti. J'ai vu votre vidéo dans mes frères, j'ai vu votre vidéo à elle, mon gars, je vais appeler à tout ça. Donc, il va refaire beaucoup de travail. Alhamdulillah. Donc, on va continuer, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, merci beaucoup, mon frère Martin. Et continue, il faut continuer de regarder la vidéo. Hein. Ça va encore te donner plus de courage. Je ne veux même pas que non, Martin me t'arrête, c'est moi-même. C'est ma part. Ah bon, d'accord. Donc, ah, tu veux pas non Martin, tu veux plus non Martin, tu veux quel nom? Bon, non musulman comme ça. Mais quel est le nom musulman qui te plaît? Il n'y a pas de nom musulman, mais bon. Bon, il y a des propositions. Propositions. Il y a Mohammed, il y a Ibrahim, il y a Ismaël, il y a Adam, il y a beaucoup de noms. Il y a Ibrahim, il y a Isaac, il y a Yahya, hein? Il y a Issa. Il y a tous ces noms-là, il y en a beaucoup. Il y a, comment on appelle, Abdelaziz, ça ce sont des bon, ça ce sont des attributs, mais ce n'est pas un problème. Quel est le nom que toi tu préfères? Il y a Aboubakar, il y a Omar, il y a Ousmane, il y a Ali. Quel est le nom que tu préfères? Bon, Ali, c'est bon. Ali, non? Ali bin Abi Talib. Oui. Donc, on va faire Ali. Ali, c'est le quatrième calife de l'islam et il a été dans le califat de 554 à 661, je crois bien, si je ne me trompe pas. D'accord. Merci beaucoup, mon frère Martin Ali. Ali Martin. D'accord. Ok, d'accord. D'accord. Merci beaucoup, Inch'Allah. Il y a Ali, Mohamed Ali, qui était le grand boxeur. Donc, voilà. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On y va. On continue la mission, les gars. On s'arrête ou bien on continue? Vous êtes fatigué? Moi, je suis en forme. Hein. Donc, on fait comment? On continue ou pas? Ah bon? Tout arrangement. Si tu es content. Alhamdulillah. Si tu as un bonheur. Ça, c'est le bonheur de la communauté musulmane. Korogo. Mais ok. Lui, ça convertit déjà. Ici, je... la soeur, ici, je mets OK. Eh, hey, son Yango, s'il vous plaît, pardonnez. Voilà, attendez. Voilà, un peu. Je vous ai dit, hein, abonnez-vous, hein, sinon vous allez rater l'exclusivité. Là. Où est-ce que tu es, Koyara? Je suis marié.
Baoulé, tu n'as pas un côté Koyara, hein. Bah, c'est elle qui réfléchit comme ça. Est-ce que Baoulé, là, ils sont pas loin de Koyara? Est-ce que Baoulé et puis Koyara, c'est pas proche un peu? Et puis, non, moi, je veux que tu revoies de tout ce que tu es en train de faire, que toi, non, là, tu dois devenir un prophète de Dieu, prophète de Jésus-Christ. Tu dois devenir prophète? Un prophète de Jésus-Christ, non. Ça, là, si moi, je deviens prophète, là, il a arrangé toute ma famille, hein, il a fait passer premier. Hein. C'est qui te faut là, et tu restes... Il te reste quelques jours, tu vas accepter Jésus-Christ et puis ta vie là sera sauvée. Il me reste quelques jours. Il te reste quelques jours parce que tu vois que le chemin de la vérité et la vie éternelle de pour sauver ton âme là, c'est Jésus-Christ. Donc, de façon que tu attends de faire là, non. Tu as presque accepté Jésus-Christ. Moi, je ne savais pas que ça fait mal à quelqu'un quand il dit, par exemple, donc ça vous fait mal. Moi, je ne savais pas. Ça vous fait mal. Tu ne l'as pas dit ça même. Tu ne l'as même pas dit ça même. Mais quand vous dites Jésus est Dieu aussi, là, est-ce que vous savez que vous êtes en train de dire que nous, là, on n'adore pas le véritable? Allah aussi, c'est pas. Voilà, vous êtes en train de dire. Non, on ne va pas tout vous donner, les gars. Il y a beaucoup de. On ne va pas tout vous donner, les gars. Hein, les gars? D'accord. Il dit ici quoi? Moi. Donc, je mets le numéro. Voilà, moi. Et puis, je mets le numéro de la soeur. Ils vont le lui donner. Voilà. Merci beaucoup à vous. Hein. Qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Et merci, merci, merci. OK. Le Nyango. 3702. OK. Je valide. Passez la commande. D'accord, c'est bon. Le Nyango est commandé. Il recherche en cours. Il sera là dans quelques minutes. OK. D'accord, on passe au suivant. Il y a un, il dit, il s'appelle Anderson le Savant. Il m'a envoyé un message de Jésus, s'il vous plaît. Il m'a lui demandé. Il lui a fait quoi? Après la conversion. Attends, il y avait conversion encore, non? Il y avait conversion. Et puis ça, je n'ai pas fini de regarder tous mes messages de WhatsApp du matin. Hein. J'ai regardé 5. Ou bien, je crois, 10 messages sur une centaine. Ça, c'est le résultat qui est là. Donc, quand je vais éplucher encore, et puis on va voir la suite, Inch'Allah. Anderson le Savant. Voilà, je mets derrière lui. On va aller s'expliquer. 72. C'est parti. Après lui, attends, je mets déjà ici. Aïe, 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 aïe. On ne peut pas le jeune. 87, 28. Ok, donc je réessaye encore si on ne peut pas le jeûne. On va passer. Orange, bonjour. Votre correspondant. On va passer à Michel. Michel, j'ai vu le numéro, je ne sais pas si lui il est déjà converti ou pas. On va voir ce que ça donne parce que lui, je ne l'avais pas appelé. Je ne crois pas si je l'ai appelé. 36, 38. Salam alaikum à tous. Merci, merci, merci pour ceux qui nous suivent à travers le monde. Tapotez et puis mettez les good live là, sinon c'est pas bon. Ils vont nous sanctionner tout de suite. Good live, s'il vous plaît. Serge, conversion. Serge. Ok, je vais appeler aussi. Attends, c'est la même chose, là? Non, non, c'est pas la même chose. Ici, c'est Michel, je suis en train d'appeler actuellement. Et en bas, c'est Serge. OK. Il ne répond pas. Bon. Merci pour le good live, là. Good live. Good live. Bon live. 40 ans. Ok, c'est parti. Allô? Oui. Bonjour, cher ami. Bonjour. C'est Monsieur Serge. Oui.
J'ai vu votre numéro dans mes contacts ici et j'ai vu écrit à côté « Serge veut se convertir en islam ». Tu es déjà converti ou bien tu n'es pas encore converti? Ou bien c'était en vente, il voulait te convertir? Non, mais quand je me dis, c'est pas prêt. J'ai pas compris? Et quand je me dis, c'est pas encore prêt pour toi. Ah, tu n'es pas encore prêt pour te convertir? Oui. Aïe! Jean, tu es fait 31 décembre d'abord, quoi? Non. Mais le frère, si, et si la mort vient te prendre, si la mort vient te prendre, on fait comment? Maintenant, qu'est-ce qui t'avait motivé et puis tu voulais te convertir en islam? Tu as regardé nos vidéos, quoi, DDR, là? Oui. Ah, tu nous suis, tu habites où, ça? C'est un. Allô? Allô? Ouais, il t'entend pas? Il est à Benjerville. Ah, Benjerville, ouais, c'est vrai. Mais Séan, tu sais pas que la mort là, ça peut prendre, ça peut frapper à tout moment. Hein? Tous les jours, tu nous regardes là, toi, mais tu vois, les gens se convertissent en islam seulement. Toi, tu es là, tu attends. Et puis, un coup, boum, la mort vient, tu fais comment? On te retrouve maintenant devant Dieu, tu fais comment? Tu as dit non, le père, moi, j'étais en train de sciencer, il attendait d'abord, il y avait un moment à placer. Parce que mes frères sont du quartier là, s'ils m'étaient convertis net là, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Hein? Un, ils n'allaient plus partir dans les maquis, on n'a plus fait le show. Par rapport à ta famille? Ah, ça aussi. Pardonnez-moi, excusez. Ça aussi, c'est important. Hein? Bah, il y en a là, ils se sont convertis net, on les a chassés en même temps de la maison. Mais en temps normal, là, à ton âge, là, tu ne devais plus habiter en famille, ou bien? Oui. Voilà, donc, tu vois un peu, non? Moi, nous, à partir de 15 ans, 20 ans, déjà, nous, on était déjà sortis. Hein? Nous, on habitait chez nous-même déjà. Mais bon, c'est pas la même chose, tu vois, un peu. Par nous, là, nous, on est les grouillers des petits Djoula. Nous, on ne dort pas, hein. Si petit Djoula, même, il est en famille, même, il est gêné, même. Il veut aller prendre sa propre maison, montrer à ses parents que lui, il peut être indépendant à partir de 15 ans, 20 ans déjà. Mais c'est pas grave, c'est pas la même motivation. Mais ce que moi, il peut te dire, faut faire un effort, faut te rallier. Le salut, il est personnel. On ne t'oblige pas. Mais notre devoir n'est que la transmission du message. J'espère que Serge m'a compris. On est d'accord, non? Allô? Ah, je ne t'entends pas. Peut-être que tu as mis ton portable dans écouteur. Il y a écouteur, non? Je n'entends même pas du tout, même. Ah, tu es à la maison. Ok, il n'y a pas de problème. C'est bien sûr. Dès que c'est bon, tu me fais signe. Merci. D'accord. Je pense que le quorum est atteint ce soir. On va s'arrêter là. L'autre, là, je n'arrive pas à le joindre. Sinon, lui, on allait faire un petit échange. Ici, on m'a donné quel numéro? Attends. Alaykoum salam. Faut m'envoyer son numéro. Ah, d'accord. Son numéro, on va l'appeler pour la conversation. Ok, il a déjà envoyé le numéro. Moi, je l'appelle. Voilà. Tu vois, je viens de rentrer dans WhatsApp. Je viens de voir. Ah, c'est une soeur en plus. Attends, je vais voir. Ok, Dieu merci. Elle est en ligne. Les gars, il y a quelque chose encore. On prend ça ce soir. Momo, tu es où là? Salam alaikum. Non, il se repose. Pourvu qu'elle décroche. Momo, essaye de me joindre. Ah, j'ai vu tes appels là. Momo, faut pas faire monter quelqu'un, pardon. Parce que souvent, ça chauffe tête. S'il y a conversion, oui, il faut faire monter. Momo, s'il y a conversion, tu fais monter. Ça, c'est Niger. Il y a la DDA au Niger, hein, s'il vous plaît. Abdelaziz, lui, il est le président. Et voilà. Celle que j'appelle également, elle est au Niger. Donc, si elle ou il, c'est pas une photo de femme, mais on ne sait pas si c'est un homme. Si la personne se convertit en islam, on va donner son numéro à la DDA du côté du Niger. Ils vont s'en occuper, Inch'Allah. Bismillah. Bon, lui qui a envoyé le numéro, peut-être que lui, il est au pays là-bas. Je vais lui dire d'appeler de façon locale. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à l'appeler directement pour dire on essaie de la joindre. Mais elle ne répond pas. C'est le livreur. Ouais, livreur. Bien. Faut enlever Jésus. Faut enlever Jésus. Toi, tu es chrétien. Tu es chrétien, quoi? Hein? Non, là-bas, ça n'a pas le même. Non, c'est pas grave. Donne-moi un colis, là, il est présenté et puis il va partir ça. Non, je comprends. Tu n'es pas été chrétien. Tu n'es pas enlevé chaussures. Non, on ne rentre pas les chaussures à la mosquée. Hein. Non, ça,
Tu sais ça, non? Ouais, c'est... Tu... Il y a mis quoi dans le Nyango, là? C'est une livraison où? T'as pas vu? Il est payé ici directement, hein? Voilà, et puis arrivé là-bas, là. Faut pas l'encaisser. Vous avez P87. C'est-à-dire quoi? Comment P87? C'est pas ça, les gars, quartier, ça. On n'est pas en France, hein? Ah, il a mis Maroc, il y a pour quoi Maroc? C'est lui, c'est là-bas. Hein? C'est lui, c'est là-bas. Ok. Ça commence à s'asseoir chez toi, quoi? Ouais, ouais. Ok, là-bas, voilà. Tiens. Tu t'en as lui donné. Arrivez là-bas, là. Arrivez là-bas, là. Si tu es là, tu m'appelles. Donc, attends, attends, attends. C'est moi qui paye ça ici. Maman, où est ma monnaie, là? C'est toi, la monnaie, là. T'es sûr? Oui. Tiens. Voilà, va, va, donne-lui, va donner monnaie. Où est la monnaie? Allez, allez là. C'est combien? Ah, faut regarder. Il n'a pas compris. Attends que tu n'as pas encore vu. Attends, maman, tiens, viens voir. Il paraît comme ici occupé là. Il va montrer. Là, tu as pris la monnaie à lui. Tiens. En flan, au milieu là. Va à ça là-bas. Va, va derrière lui. Là, il faut le montrer. Là, il va donner monnaie. Ok, les gars, on va essayer de. Attends, attends, je vais repartir là-bas. Celui qui a donné le numéro. Celui qui a donné le numéro. Attends, je l'appelle. Lui, les. Momo m'appelle. Allô, Momo. Bon, allô, Oustad. Le gars que vous avez donné au colis d'André, bonsoir, Oustad, c'est pas lui, hein. Ah. La manière que tu lui as dit que... La manière que tu lui as demandé, c'est où, là, il a dit... PK, quoi, là. PK, c'est vrai, hein. Abidjan, là, PK, PK, là, au Tandé, il a... Attends, il a donné son numéro. Attends, il a écrit en même temps sur papier, oh. Comme il est déjà venu. Ah, là, c'est mieux. Là, il n'y a pas risqué, risqué dedans, ouais. Maman. Ah, c'est pas risqué. Faut pas, il va partir d'abord. Il n'a qu'à venir prendre. Il a envie de faire un petit pour toi lui-même. Il a envie de faire un petit pour toi lui-même, mais. Il veut pisser, non? Mais... Il n'a qu'à aller pisser à venir. Non, faut prendre son numéro là. Maroc. Tu prends son numéro, puis tu lui donnes le numéro de la fille. Là, qui l'a vu, il n'a pas là. Voilà, d'accord. Voilà, donc, c'est vrai, tu as raison. Hein. Voilà, j'ai écrit le numéro de la fille. Il met son nom également, Koné. D'accord, voilà. Et puis, il a mis quartier Maroc. Il a mis quartier Maroc. C'est mieux. Voilà. Là, au moins, il a ça dans sa main, ah, il s'en va là-bas. Ouais. D'accord, on a fait... Maintenant, il y a les gens qui veulent faire débat avec toi. C'est là ton moto ou pas? Débat. Ouais, ils veulent faire débat avec toi. Bon, une personne, c'est bon. Ok, une personne, c'est déjà moto, une personne. Voilà, s'ils sont beaucoup comme ça, ça va créer le désordre, quoi. Non, il n'y a pas faire monter beaucoup de personnes, ça va être bizarre. Donc, il y a fait monter une personne, si tu les débats, ça va pas. Il y a fait monter deux personnes qui vont en avant. Ok, Inch'Allah. C'est encore mieux. Ok, salam alaikum à tous. Il dit Oustaz va convertir tous les livreurs. non, ça va rire. Voilà, attends. J'appelle le frère qui qui m'envoie le numéro de la soeur du côté du Niger qui veut se convertir, mais elle ne décroche pas. Donc je vais lui dire, il va essayer de l'appeler. Puis allô, oui, alaikum salam. Il n'arrive pas à la joindre, hein. J'ai appelé, mais elle répond, elle décroche pas, quoi. Je sais pas pourquoi. Si tu peux faire ça maintenant. Il l'a appelé sur WhatsApp. Il l'a appelé sur WhatsApp, mais elle décroche pas. Alors je suis en live. Je voulais faire ça directement. Ça va faire au moins 4 convertis dans la journée. C'est bon. Bon, il a appelé un peu de temps. Hein. Appelle tout de suite, là. Faut l'appeler tout de suite, là. Il n'a qu'à me rappeler. Ou bien, moi, j'ai essayé de l'appeler encore. Yemi, en même temps. D'accord. Yemi, tu vois, c'est quartier Maroc. Il est au Maroc. Voilà le numéro de la fille là, elle s'appelle Koné, tu t'en as lui donné. On t'a déjà payé, non? Ouais. Ok. Il a son nez, ça fait 700. Ouais, il n'a qu'à donner mon nez. Merci. Ouais, laisse ça. Ouais, je t'en donne pour la fille. Dans la. Dans la. Ouais, je dis. Il veut du lacan, Folanin, alors que tu es chrétien. Ah bah, qu'elle a tenu. Toi, tu es chrétien, non? Faut confirmer. T'es à côté, non? Ouais. Faut devenir musulman en même temps, ça fait quoi? Non, attends. Non, de là, là. Mais là, mon entour dit. Il est bien, il est bien, il est bien, il est bien, il m'a dégagné, là. Il m'a dégagné Facebook, hein, les trucs, les vidéos, machin. Il est en live actuellement. Non, mon âme est converti. Et puis, il avait dit converti de l'homme. Ça qui m'a dit, c'est la mère. Il veut faire ça, j'en ai quoi. Quand tu vas là, en fait quoi. Genre, quand tu viens Nyango, là, tu sais pas que c'est Dieu qui t'a donné Nyango, là. Faut te convertir en islam, ça fait quoi. Ou bien quand tu te convertis là, Jean, hein, tu n'as plus boire, tu n'as pas aller main porc, tu n'as plus aller dans les choses, les vieux cunas. Non, il ne m'amuse pas. Hein. Non, Wallah, il te tourne. Non, je suis allé, il m'a allé. Tu es comment? Donc attends, Jean, tu n'es pas prêt même.
Non, bah, il a marqué Donnani. Bon, est-ce que tu es de combien en islam? Je ne suis pas compris. T'es pas compris? Ouais. Mais tu vas à l'église? Ouais, je vais à l'église. Durant les vieux, non? Mais c'est un côté. Bon, mes deux parents sont chrétiens. Ah, maintenant, je comprends. Côté oncle, là, il y a un côté musulman. Ah, non, c'est qu'il y a un côté musulman. Si les deux côtés parents sont. Si les deux côtés parents sont chrétiens, mais toi, tu es sûr que là. Oui, maintenant. Ouais. Vous voyez là, vous avez dit la vérité, non? Il a grandi dans un milieu où. Les petits djoulas. Ah, c'est à cause de ça, tu parles djoula propre là. Ah, ton djoula est propre, hein? Là, mais il t'a grandi, et pourquoi tu ne t'es pas converti en islam? Bah, Omar Founiane, quoi? Non, il priait autant. Mais tu priais, mais c'est que. Déjà, bah, toi-même, tu es dans là, il reste un pas seulement. Non, mais ça va que, comme. Tu sais, c'est dans la maison du vieux. Ah, tu es chez lui. Tu es chez le vieux, non? Ah, jamais. Donc, gentil, tu te rallies là, il va te mettre au dehors. Ouais. Mais tu barres, non? Ton nyango qui est garé là. Toi, tu ne peux pas prendre ta maison, quoi. Ah, cousin, non? Non, il a même un numéro de la coffre. Il a même un numéro de la coffre. Bah, voilà, si c'est pas. Ça va comment? Hein? Bon, ok, ok. Maman, on a attaqué ma vague rapidement. 87 ans. 58. Non, numéro d'avoir avec restant blanc là. Ouais. Déjà, Ama Tchéouré Kré là, ça dit, Arema Bamba quoi. Bon, je suis là maintenant, Momo. Donc, la fille là ne décroche pas. On dit à quelqu'un qui veut faire débat là, je sais pas. Débat sur quoi? Sur quel thème? Sur quelle thématique? Je vous ai dit, allez vous abonner hein, sur nos différentes pages là. Sinon, l'exclusivité là, il y en a beaucoup. Hein. Je voulais faire passer là, le truc de Ima là. Ima, Ivoa Muslim Award là, de notre sœur Bintou. Voilà, il y a Ivoa Muslim Award qui va. Vous pouvez vous inscrire, hein, vous partez sur Internet, Ivoa Muslim Award. Voilà, Award là avec S à la fin. Et puis vous allez voir, vous pouvez vous inscrire, voilà, pour participer. Pour faire la promotion de l'islam, vous serez récompensé aussi par la grâce d'Allah. Il y a une place même pour le pèlerinage, pour ceux qui vont être inscrits. Voilà, le parrain a confirmé cela. Donc, vous pouvez vous inscrire sans problème, Inch'Allah. Ivoa Muslim Award, vous allez sur Internet, vous tapez Ivoa Muslim Award. Voilà, et je ne vois pas le jingle là. J'allais faire passer ça tout de suite là. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Ouais, Inch'Allah. Oui, allô, qui est là? Bon, Facebook, on va s'arrêter là, Inch'Allah. On va continuer avec TikTok ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.